400.000 nati nell'ultimo anno in Italia. Non è un inverno demografico, signori, è una glaciazione. Dans le troisième millénaire, vive la République, vive le peuple, vive la France. Beste Vlaamse vrienden, beste Vlaamse vrienden, we staan hier vandaag. En jelle van uw ketszeremék sosem volt. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis journaliste au Centre d'Action Laïque, reconnu depuis 1981 comme coordinateur de la laïcité belge francophone et donc financé par l'État au même titre que les cultes reconnus. Mais je vous expliquerai cela au fil de ces podcasts. Car oui, ce sont des podcasts que je vous propose pour comprendre les enjeux de ces montées de l'extrémisme ou des extrémismes. Nous allons voir si nous devons mettre ce terme au pluriel. Quelques minutes pour comprendre, débattre, entrevoir des solutions pour sauver nos démocraties, notre libre pensée et combattre les pensées qui veulent y mettre fin. Les extrémismes, notre prison, c'est la campagne du CAL jusqu'aux élections de juin 2024. Pourquoi ? Parce qu'il est grand temps de se remonter les manches face aux extrémismes de tous bords. Bienvenue dans Libre et en lutte ensemble, le podcast. Est-ce que tu connais le mot extrémisme ? Non, pas trop. Ça te fait penser à quoi ? À rien ? Aux gens politiques, qui sont de droite. Ouais. Et c'est tout. Plutôt mauvais ou bon ? Mauvais. On pousse tout à l'extrême. Genre la religion et tout, dans certains pays. Pour moi, c'est un peu tout ce qui est poussé à l'extrême. Tu vois que c'est un peu tiré par les cheveux. Alors l'extrémisme, je vois ce que c'est, je sais ce que c'est, mais j'avoue avoir du mal à mettre des mots dessus et savoir l'expliquer, c'est un peu compliqué pour moi. Bah parce que c'est souvent associé à des partis qui prônent la haine, la violence et qui avancent leurs idées d'une façon peu éthique, je dirais. On commence donc avec un premier numéro qui va redéfinir le terme extrémisme et ce n'est pas si simple. Première question à se poser, les extrémismes font-ils peur et doivent-ils nous faire peur ? Oui. Bonjour Hervé, tu es dispo ? Entre Catherine, entre, assieds-toi. Alors, on a peur certainement des extrémismes, on a peur aussi finalement d'une crise de confiance majeure entre les responsables politiques, les institutions et les citoyens. On l'a vu notamment au moment du Covid, une espèce de fragmentation de plus en plus importante de la société et finalement une espèce de perte de confiance d'un grand nombre d'individus dans la capacité des pouvoirs publics à assumer des missions, à définir des politiques qui répondent à ce qui est ressenti comme le réel. Les réels besoins de la population. Donc il y a un peu cette crise de confiance-là. Une première crainte, c'est vraiment que les gens se détournent du scrutin. Les politiques, plutôt, les gens qui n'iront pas voter, les abstentionnistes, etc. Et ils peuvent être nombreux. L'autre crainte, effectivement, c'est plutôt les extrémismes. On le voit déjà aujourd'hui, quand on regarde le Parlement fédéral, il y a 150 députés, une vingtaine de députés d'extrême droite en Flandre, il y a une quinzaine de députés d'extrême gauche en Wallonie. Ces voix-là, ces sièges-là, ne participent pas à l'élaboration d'une majorité. Donc ça veut dire que les autres doivent se débrouiller entre eux pour rassembler une majorité. Ça restreint un peu le scope des possibilités politiques. Et donc effectivement, l'extrémisme, ça, on est assez inquiet. Hervé Parmentier est secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque. Il évoque donc deux craintes. La première, que nous n'allions pas aux urnes, que l'abstentionnisme soit en hausse. Et la deuxième, que les partis dits d'extrême se retrouvent au pouvoir, incapables de s'allier pour un projet commun avec les autres partis. Mais ces fameux partis d'extrême, qui sont-ils ? Et d'ailleurs, il y a-t-il plusieurs extrémismes ? La campagne du CAL tente d'y répondre. Et par extrémisme, nous identifions, nous visons les doctrines ou attitudes dont les adeptes développent une pensée dogmatique, refusant toute alternative donc, et qui les conduit à vouloir imposer leur vue à l'ensemble de la société. Et en fait, ils opposent des « eux » à des « nous ». Et donc, du coup, les tenants de ces courants portent atteinte à l'intégrité du corps social et mettent en péril l'état de droit. Donc en fait, le trait commun des extrémismes, et c'est là que c'est vraiment dangereux, c'est que l'extrémisme repose toujours, quel qu'il soit, sur une forme d'intolérance
envers tout ce qui est autre dans une recherche de pureté. Par exemple, on aurait une pureté identitaire pour certains extrémismes de droite, ou une pureté morale pour certains extrémismes de gauche, ou une pureté religieuse, voire leur combinaison parfois quand on voit des mouvements extrémismes de droite, par exemple, fonder une partie de leur corpus idéologique sur une conviction religieuse réputée partagée. Extrémisme politique et idéologique, quelle définition pour quel combat ? Pour François Debras, professeur associé au sein du Centre d'études démocratie de la Faculté de droit, sciences politiques et criminologie à Lulliège, a conçu un podcast, Popex, sur les extrémismes. Selon lui, il y a trois critères pour définir ces extrémismes : positionnement, type d'action, caractère. L'extrémisme, c'est une notion qui peut se définir de différentes manières. L'extrémisme, dans un premier temps, ça peut être une position par rapport à un centre qui serait défini ou qui rassemblerait une certaine communauté. Un extrémiste serait une personne qui se marginaliserait par rapport à ce centre, qui aurait une position, comme son nom l'indique, extrême ou jusqu'au boutiste par rapport à un centre qu'il rejetterait, mais aussi par rapport à ce centre qui le rejetterait lui-même. Caroline Sagesser, docteur en histoire, chargée de recherche au sein du secteur sociopolitique du CRISP. Il faut certainement mettre le terme au pluriel, parce qu'il y a une grande variété d'extrémismes. Maintenant, il faut distinguer effectivement l'extrémisme religieux, le radicalisme religieux, des extrémismes politiques, et en particulier de l'extrême droite, qui est une forme d'extrémisme politique délétère et antidémocratique, et dont effectivement le progrès, en tout cas au nord du pays, en Flandre, est une dimension extrêmement préoccupante de la société contemporaine. Moi, je pense que le plus simple, c'est de définir l'extrémisme par la violence, par l'usage de la violence. Édouard Delruel, professeur de philosophie morale, politique et du droit à Lulliège, ancien directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Et selon moi, c'est ça qui... Donc, ce n'est pas au niveau des idées, parce que finalement, les idées peuvent être radicales, les idées peuvent être fortes. Bon. C'est par contre la violence qui me semble être le critère qui va distinguer un parti extrémiste d'un parti radical. Alors la violence, évidemment la violence civique, physique, des groupes paramilitaires, des attentats, mais aussi la violence verbale, hein, c'est-à-dire l'usage de l'incitation à la violence, à la haine, à la discrimination, la diffamation, etc. L'extrémisme, c'est aussi un type d'action, c'est-à-dire qu'une personne extrémiste va refuser le dialogue, va refuser l'échange, va refuser le compromis et va plutôt privilégier une action directe et souvent violente, violente qu'elle soit parfois physique, mais aussi parfois symbolique ou au niveau de la parole. Et donc on a ce recours à l'action, cette idée que la discussion, le dialogue, l'échange, c'est une perte de temps, il faut agir maintenant, tout de suite, et agir à la racine des problèmes. On ne tergiverse pas, pardon, on n'échange pas, on agit tout de suite et maintenant, et dans la plupart des cas, l'extrémisme se caractérise par une action donc violente. Il faut bien comprendre ça, on peut le montrer depuis plusieurs dizaines d'années, que la violence verbale, au sens d'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination, diffamation, etc., aboutit toujours, à un moment donné, à des violences physiques. Le langage de Trump débouche sur l'assaut sur le Capitole, sur des meurtres, des violences policières multipliées, etc., etc. C'est pour moi ce qui justifie les lois qui interdisent l'incitation à la haine et à la violence, qui sont des très bonnes lois, qui n'imitent absolument pas la liberté d'expression, mais qui essaient de mettre un minimum de civilité dans le débat public et qui empêchent précisément ce passage à l'acte en réalité. Mais l'observation, l'histoire montre que chaque fois qu'on a des violences verbales, on a à un moment donné des violences physiques. Que ces partis soient au pouvoir ou pas au pouvoir. On va me rétorquer qu'il y a une zone grise. Hein. Des manifestations peuvent être violentes. Si on séquestre un patron, est-ce que c'est de la violence? Est-ce que... Les actions écologiques, effectivement. Ou les entraves méchantes à la circulation qui ont valu, sous ce chef d'inculpation, à certains syndicalistes qui faisaient simplement des piquets de grève, d'être condamnés. Donc il y a évidemment cette zone grise. Mais là aussi, on peut distinguer les faits, les actions radicales
mais qui sont faites dans un but de désobéissance civile, hein, et avec une réflexion pour que l'action radicale, un piquet de grève, etc., etc., ne mène pas, enfin, ne soit pas violente, ça ne mène pas à des morts, ne mène pas à des gens blessés, etc., etc. Donc c'était extrêmement important, et là on voit quand même la différence entre les partis, bon, et pas spécialement la droite et la gauche, quoique, entre ceux qui ne se posent pas la question de leur rapport à la violence, en quelque sorte, hein, qui la recherchent même, qui essaient d'aller au plus loin de la violence, et puis ceux qui, à un moment donné, observent que les actions classiques, les manifestations classiques ou les grèves classiques ne fonctionnent pas, et cherchent d'autres voies pour se faire entendre, mais en réfléchissant beaucoup et en discutant beaucoup entre groupes militants pour savoir si une action est violente ou pas. Donc la question, c'est de savoir, et je crois que ce n'est pas à moi d'y répondre, mais à chacun se positionner par rapport à cette thématique, c'est quel type de violence juge-t-on légitime ? Est-ce qu'il y a des violences qui sont légitimes, oui ou non ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont illégitimes, oui ou non ? Et pourquoi ? Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas tant la violence qui compte, c'est le but qu'il y a derrière la violence et l'idéologie qu'il y a derrière la violence. Certaines personnes considèrent que toute forme de violence est illégitime. C'est des discours que, par exemple, a tenu le président Emmanuel Macron en France. Il n'y a pas de démocratie en dehors des institutions. La violence dans la rue ne résoudra rien, et c'est en discutant ensemble des institutions qu'on peut faire avancer la société. D'autres considèrent, et ça c'est des interviews que j'ai réalisées ou des focus groupes que j'ai réalisées avec des jeunes de 17 ans, etc., considèrent qu'aujourd'hui, eux ne se sentent pas écoutés, que les institutions ne prennent pas des mesures par rapport à l'écologie, et donc qu'une certaine forme de manifestation, contestation, remise en cause des politiques et violence, symbolique, pas forcément physique, est nécessaire pour pouvoir faire bouger les lignes, oui. Alors l'extrémisme n'est pas forcément violent, et on peut avoir des opinions, je dirais, extrêmes sans qu'elles soient forcément condamnables. Elles deviennent condamnables dès le moment où elles contreviennent, mais tout simplement à la loi. Je pense à l'extrémisme de droite qui promeut des valeurs de racisme, d'incitation à la haine, qui voudrait nous voir quitter des organisations internationales ou la Convention européenne des droits de l'homme. Donc là, il y a effectivement des propositions qui sont tout simplement contraires à la loi. Et puis, il y a des groupes extrémistes, qui promeuvent effectivement la violence, qui les fait tomber également sous le coup de la loi. Donc effectivement, il y a cette dimension de violence qui est très importante pour savoir si un extrémisme doit encore avoir droit de cité dans le débat démocratique, ou si au contraire, il convient de le combattre parce qu'il a des propositions et des attitudes qui sont contraires à la loi et qui menacent notre démocratie. Comment ces partis au discours pourtant violent parviennent tout de même à convaincre certains d'entre nous ? Sur quoi basent-ils leur core business ? Pour Jean Leclerc, professeur de philosophie à l'UC Louvain, et François Debras, c'est le « nous » contre « eux », des partis profondément dans la dichotomie. Les extrémismes, c'est très complexe. Il y en a de droite, et il y en a de gauche, donc il y a toute une littérature, toute une réflexion sur ce que sont les extrémismes. Mais quand même, dans les extrémismes, souvent, il y a une promotion de l'inégalité. Regardez comment fonctionnent les extrémismes. Ils fonctionnent tous sur un profond sentiment d'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a des races, il y a des ethnies, il y a des civilisations, il y a des cultures qui ne sont pas égales. Elles sont donc inégales, et qu'est-ce qui intéresse dans les extrémismes, dans ces inégalités ? C'est la capacité qu'ils ont à faire de la hiérarchie. Et donc ils vont construire des hiérarchies de races, ils emploient toujours ce mot-là, d'ethnies, de peuples, qui sont supérieurs les uns aux autres. Et qu'est-ce que fait donc sur ce plan-là ? C'est-à-dire sur le plan de l'égalité profonde qui habite l'idée même et l'action même laïque. Eh bien, ils vont créer des hiérarchies. Alors, il y aura ceux qui sont meilleurs, et puis il y aura tous les autres. Et puis, à partir de ça, on va faire une économie, on va faire une politique. L'extrémiste va être très dichotomique. Il y a d'un côté le bien et le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le légitime, l'illégitime. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'apprentissage de l'autre. Il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux, il y a ce que je fais moi et qui est juste et ce que fait l'autre et qui est mal et qu'il faut rejeter. Mais alors comment un parti extrémiste peut-il accéder au pouvoir et une fois au pouvoir ?
Que faut-il redouter ? Restera-t-il violent dans ses paroles et ses actes ? Alors ça, c'est tout le paradoxe auquel sont confrontés les extrêmes. C'est s'ils maintiennent leur caractère violent, ils ne sont pas intégrés ou acceptés dans le système politique. Pour intégrer les institutions, il faut soumettre un programme politique, il faut se soumettre au vote des électeurs, siéger et respecter les normes internes des institutions. Si on ne respecte pas ces normes, on est marginalisé, on est mis sur le côté des institutions. Donc il y a tout ce processus parfois de dédiabolisation, de normalisation des courants extrémismes pour en fait influencer non pas le système de l'extérieur, mais de l'intérieur. À l'inverse, comment, quand un mouvement extrémiste se normalise et siège au sein des institutions, comment justifier son positionnement spécifique, comment justifier que finalement il n'est pas comme les autres et qu'il ait une véritable idéologie? C'est toujours le débat qui traverse tout un tas de mouvements, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, c'est est-ce que l'on veut renverser le système pour proposer un meilleur, ou est-ce qu'on accepte d'intégrer le système, quitte à ne plus faire appel à la violence, quitte à atténuer ses propos ou ses idéologies, ou à cacher parfois ses idéologies pour changer le système de l'intérieur. Effectivement, quand des partis extrémistes arrivent au pouvoir, ils sont pris dans une contradiction, ou dans une tension en quelque sorte. Soit, étant au pouvoir, ils se mettent dans le moule d'un état de droit. Et dans ce cas-là, ils doivent, et en jouant la respectabilité, on voit très bien que c'est là une carte, par exemple, que Marine Le Pen essaie de jouer, essaie de se mouler un minimum dans l'état de droit, au moins de faire semblant, voire d'essayer d'être respectable. Et dans ce cas-là, évidemment, ils perdent de leur radicalité, ils perdent de leur attrait par rapport à leur électeur. Ou bien ils l'utilisent quand ils sont au pouvoir même. Quand ils sont au pouvoir, les partis extrémistes utilisent d'autres moyens. Ils utilisent l'intimidation, des campagnes médiatiques contre leurs opposants. Donc ils vont organiser des élections, les élections seront plus ou moins libres, elles seront libres, mais on va intimider les partis qui voudraient vraiment vraiment s'opposer au pouvoir en place. Les partis extrémistes vont essayer de supprimer tout contre-pouvoir. Ce qu'on appelle les corps intermédiaires vont brider les libertés syndicales, vont attaquer les cours constitutionnels pour que les cours constitutionnels ne soient plus un contre-pouvoir. C'est exactement ça qui se passe en Israël aujourd'hui. Vont multiplier l'usage de la police, de surveillance, etc. Donc là, cette violence sera une violence qui ne sera plus avec des chemises noires et des bottes et des bruits de bottes et des camps de concentration, qui sera peut-être plus diffuse, qui sera plus juridique, c'est-à-dire qu'on va faire des réformes constitutionnelles pour amoindrir le rôle du pouvoir judiciaire, pour renforcer le rôle de l'exécutif, etc. etc. Et ça, on voit que c'est ce que font Orban en Hongrie, ce qu'a fait Trump, on verra bien en Italie, Meloni, qui a l'air plutôt d'être dans une logique d'essayer d'avoir de la respectabilité. Mais évidemment, ça dépend de la façon dont la société résiste. Si le parti extrémiste a un boulevard devant lui, si aucun parti, aucun mouvement citoyen ne s'oppose, si les juges se laissent faire, etc., etc., évidemment, c'est un boulevard. Et à ce moment-là, les partis extrémistes, même au pouvoir, peuvent dérouler leur politique. Je pense que fondamentalement, c'est faire appel aux plus basses aspirations de la nature humaine. Bon, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Moi, je suis mélioriste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui peut nous rendre meilleurs, qu'est-ce qui peut nous tirer vers le haut. Et pour le coup, on voit que sur ce point-là, les extrémismes tirent toujours vers le bas. Et ils tirent vers le bas avec la mise en œuvre d'un ensemble de profits qui les arrange, puisque avec ces hiérarchies-là, on va créer des classes, des catégories dans la société, et on va commencer à élaborer des zones de ségrégation, de compartiments, on va faire des ghettos, et puis très vite, on va exclure. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Outre, comme je le disais tout à l'heure, que ce principe d'inégalité, il est bafoué. Il est bafoué, donc ce qui est extrêmement grave, parce que sur le plan de tous les grands textes de droit
toutes les grandes déclarations de citoyenneté qui fondent vraiment notre existence aussi de femmes et d'hommes contemporains, ben, tout ça est bafoué par l'extrémisme. Comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, comment lutter? Pour Jean Leclerc, tout s'est fait insidieusement, petit à petit. Et selon Édouard Delruel, la lutte devra sans doute dépasser ce cordon sanitaire moral. Il y a des digues, hein, comme s'il y avait un mauvais réchauffement climatique dans ce domaine-là aussi. Il y a des digues qui, très subtilement, cèdent. Puis on laisse aller les choses, on ne réagit pas avec fermeté, avec indignation, avec condamnation. Et on voit apparaître dans le monde entier, en Europe, puis dans ce pays aussi, hein, de façon extrêmement subtile, des discours extrémistes qui provoquent donc les inégalités, qui provoquent les discriminations, qui bafouent le concept et l'idée même d'égalité, et qui aussi deviennent très vite, mais de façon soft, hein, racistes, xénophobes, et donc qui contreviennent à ces droits les plus élémentaires qui sont les droits des humains. Et alors, on crée des classes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Russie, la façon dont ce président en guerre contre l'Occident dépeint l'Occident sur ce qui a été et sur ce qui est des acquis et des acquis de progrès. Il crée une image de l'Occident qu'il présente à la Russie, qui fait de nous des dépravés, alors que, en réalité, derrière ce que nous vivons en Occident, il y a aussi l'acquisition de droits et bien entendu de devoirs, justement, au prisme de notre égalité. En France, regardez la montée du Rassemblement national, regardez l'émergence de l'extrême droite en Italie, regardez sa politique migratoire. Regardez ce qu'elle est en train de faire actuellement avec la question des orientations sexuelles. Regardez la façon dont les personnes homosexuelles sont stigmatisées systématiquement dans leur projet individuel, dans leur projet collectif, et même dans leur projet parental par la présidente, enfin cette responsable politique italienne. Regardez ce qui se passe en Hongrie. Et puis quelque part, quand on regarde ce qui se passe dans l'autre partie du pays, c'est-à-dire la Flandre, avec la montée incessante du Vlaams Belang, c'est inquiétant. Alors ça veut dire que une politique laïque, là-dessus, ben, elle va beaucoup insister sur l'importance du cordon sanitaire. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, les gens qui essaient de lutter contre l'extrême droite et les idées d'extrême droite commencent à comprendre que le langage moral, que la protestation morale au nom des droits de l'homme, au nom d'humanité, au nom de la tolérance, etc., ne suffisent pas. Donc que la stratégie du cordon sanitaire moral ne suffit pas. Qu'il faut s'attaquer aux causes. Et les causes, ce sont les inégalités sociales, c'est le déclassement dans lequel se trouve aujourd'hui toute une classe moyenne dans nos sociétés, le mépris des villes à l'égard des périphéries. C'est tout ça, en fait, qui est le terreau de l'extrême droite. Donc, aujourd'hui, je pense que les démocrates, ils doivent s'intéresser au terreau. Finalement, les partis extrémistes ne sont que les symptômes, ne sont que les résultats d'un terreau fertile. Et ce terreau fertile, je répète, ce sont les inégalités qui sont des inégalités économiques, mais qui sont aussi des inégalités de territoire, des inégalités de profession ou de type de profession, avec de plus en plus une partie de la population, de plus en plus importante, qui se sent tout simplement perdue, déclassée, complètement oubliée. Et c'est évidemment ces voix-là que l'extrême droite capte. Mais Catherine Maréchal, directrice du CALIÈGE, que nous retrouverons sur le terrain dans un prochain épisode, ne veut pas stigmatiser pour autant les populations défavorisées.
La recherche du bouc émissaire, la recherche de réponses simples du pouvoir fort, ce n'est pas l'apanage des populations démunies, défavorisées. Alors on sait que quand on se perçoit, souvent à raison d'ailleurs, comme étant relégué, plus entendu, plus écouté par les décideurs, par ceux qui sont en capacité d'utiliser les leviers dans notre société, quand on se sent plus entendu, relégué, la tentation est forte, effectivement, de tourner le dos à la chose publique, de ne plus vouloir prendre part au débat, de ne plus s'exprimer dans le cadre de scrutins électoraux. Mais ce n'est pas l'apanage, encore une fois, ce n'est pas l'apanage des populations défavorisées ou paupérisées. Je pense que l'important aujourd'hui par rapport à la jeunesse et aux primo-votants, c'est d'arrêter de se jeter des mots au visage, d'arrêter de dire « c'est vous l'extrémiste, je suis le démocrate », non, c'est vous le radical ou le populiste. On se jette tout un tas de noms au visage pour discréditer la pensée des autres. Et je pense qu'il faut peut-être écarter ces termes dans un premier temps, même s'il faut quand même comprendre ce qu'ils signifient et pourquoi on les mobilise et à quel escient on mobilise ces termes. Mais ces termes ont aussi un pouvoir symbolique très fort. Caractériser quelqu'un d'extrémiste, c'est le discréditer, c'est l'écarter, c'est refuser de discuter avec lui, c'est dire « je n'ai même pas besoin de parler avec toi, tu prônes la violence et moi je suis pour le dialogue ». Donc c'est le refuser sans forme de débat, sans forme d'écoute, etc. Donc je pense que plutôt que se jeter des mots au visage comme extrémisme, etc., les jeunes doivent se concentrer sur quelles sont les valeurs qu'ils souhaitent prôner, quelles sont les valeurs pour lesquelles ils souhaitent se battre, quelles sont les valeurs qu'ils souhaitent mettre en avant, et après, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour ces valeurs? Est-ce qu'on va voter une fois tous les 3, 4, 5 ans? Est-ce qu'on est prêt à aller manifester pour ces valeurs? Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin pour ces valeurs, tout en sachant qu'il peut y avoir des répercussions qui peuvent réaliser aussi? On ne peut pas être violent, il y a des limites aussi à la violence qui peut être réalisée. Et pour ne pas laisser tout le boulot sur le dos et les épaules des jeunes, que peut-on faire pour éviter toute cette violence? Qu'est-ce que nous pouvons faire là-dessus? Tout d'abord, c'est avoir une action laïque qui est une action qui va contre toutes les formes de l'exclusion. Et c'est vrai que quand on regarde les actions du Centre d'Action Laïque en matière de chômage, en matière d'éducation, en matière de pauvreté, par exemple aussi même en matière de consommation des drogues, voyez, ou par exemple sur les questions tellement importantes comme la prostitution, etc., le Centre d'Action Laïque a toujours été en faveur de la lutte et du combat aussi, avec des réponses positives, hein, des réponses engagées. Il suffit de regarder ce qui se fait sur le terrain, dans les locales, enfin, dans toutes nos antennes laïques. Et bien donc il y a ce combat contre les exclusions. Deuxièmement, je crois qu'il faut être toujours en alerte contre les discours xénophobes et les discours racistes, et tous les discours et toutes les politiques et toutes les actions qui provoquent des discriminations. Et puis, un mouvement laïque, c'est un mouvement qui va être très attentif à l'éducation. C'est d'ailleurs une éducation permanente. Et si c'est une éducation permanente, ça veut quand même dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire qu'on n'en a jamais fini avec. En résumé, garder l'œil attentif, être aux aguets, ne jamais baisser la garde, éviter le déclassement des gens, ne pas tomber dans les solutions faciles, où le « nous » contre « eux » peut encore résonner en nous. Mais au contraire, aller sans cesse chercher en soi le reste d'humanisme pour comprendre l'autre. Pas simple, quand la crise menace et qu'on a peur de demain. Nous avons déjà appris dans ce podcast une chose. Oui, les extrémismes sont dangereux et menacent nos démocraties. Et oui, la laïcité peut être un rempart. Ils sont dangereux parce qu'ils propagent une vision tronquée de la réalité, parce qu'ils tentent à convaincre la population que des solutions simplistes à leurs problèmes sont possibles. Et puis aussi, ils sont dangereux au niveau de la démocratie parce qu'ils vont, je dirais, confisquer des sièges dans les assemblées parlementaires qui ne vont plus être disponibles pour construire des coalitions gouvernementales stables. Et bon, prenons la réalité belge, on peut se dire qu'effectivement, des sièges occupés par des partis qui défendent des positions extrêmes vont finalement contraindre les partis de gauche et de droite modérés à gouverner ensemble, ce qui est en soi un facteur d'instabilité puisque ça donne des coalitions qui manquent d'homogénéité. Donc c'est aussi une dimension dommageable à la démocratie.
Ce type de positionnement rend tout simplement impossible un échange, un dialogue. Finalement, on en vient à rendre impossible le fonctionnement ordinaire de notre société, du corps social, des institutions démocratiques. Et on est dans une forme d'impossibilité de faire émerger un intérêt général. En somme, les extrémismes cadenassent vraiment la société, privilégient alors des particularismes au détriment des autres, finalement, au détriment de l'universalisme. Et c'est donc une menace absolument directe contre l'état de droit. Et c'est vraiment ça qui nous inquiète beaucoup. De toute façon, c'est un poison pour le fonctionnement de nos institutions démocratiques, c'est un poison pour la possibilité de vivre ensemble, d'échanger des idées, etc. À partir du moment où l'un se considère de facto supérieur, l'un considère avoir d'office raison, au nom d'un dogme, au nom d'une pensée extrémiste, mais forcément, ça annihile en quelque sorte même la pertinence d'un raisonnement autre que quelqu'un d'autre pourrait tenir. Les prévisions sont très très pessimistes. S'il y a un sursaut démocratique, c'est-à-dire de faire échec quand même à des partis comme le Vlaams Belang allié à la NVA, ce qui serait une catastrophe hein, pour le projet laïque, hein, parce que la NVA n'est pas un parti religieux, mais ce n'est pas du tout un parti pro-choix non plus, c'est-à-dire que c'est un parti autoritaire, nationaliste, et ça rejoint finalement hein, cette même idée, nous, eux, cette division et cette non-égalité des êtres humains. Donc je pense qu'on aura soit un gouvernement fédéral très 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 à droite, sinon avec une extrême droite très puissante au Parlement. Et puis, si ce n'est pas ça, ce sera une coalition de forces progressistes ou progressistes que, et qui devra tenir je ne sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, on est dans une crise de régime. Il me semble que la démocratie ne s'est pas réinventée en Belgique et que donc on est pris dans une particratie qui est délétère parce que les personnes qui ne sont pas impliquées dans les discussions... qu'est-ce qu'elles visent ? Elles visent à être heureuses chez elles, elles ne visent pas à ce que la société devienne plus laïque ou quoi. Ils ne comprennent pas trop, finalement, en quoi cette particratie a contribué à la démocratie, puisque maintenant, finalement, c'est quand même un problème de démocratie. Hein. Il y a une nécessité d'avoir la construction du commun, une maison commune. Ça, c'est tellement fondamental. Avec ces grands principes, laïcité, égalité, solidarité, fraternité, émancipation. Moi, je me dis que c'est un excellent, très beau programme de vie, avec lequel on n'en a pas fini, hein, parce que sinon on retombe dans le danger de l'essentialisation dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est un vrai programme de vie, et je crois que c'est comme ça qu'on peut vraiment devenir meilleur. D'un côté, il y a l'optimiste, celui qui croit que tout va finir par s'arranger. D'un autre côté, il y a le pessimiste, celui qui dit que c'est la fin du monde et que rien n'ira et que les extrêmes vont gagner. Et je crois qu'au milieu, il y a le tragique. Le tragique, dans la mythologie, c'est quand ce héros est confronté à une situation dont il ne semble pas pouvoir s'en sortir, mais qui a conscience des différents enjeux qui se trament autour de lui. Et je crois que la solution, c'est de retourner dans la mythologie grecque, de questionner les tragiques, de s'informer sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui est à m'apporter et qu'est-ce qui n'est pas à m'apporter? Et essayer ensemble de trouver des solutions pour un monde meilleur. Et j'espère que finalement, le tragique deviendra optimiste. Il y a du boulot pour le tragique quand même. C'est sûr qu'il y a énormément de boulot pour le tragique, oui. Voilà, nos libertés peuvent s'envoler plus vite qu'on ne le pense. Dans un second podcast, nous verrons comment, sur le terrain, les actions peuvent être menées pour éduquer les jeunes de 7 à 77 ans face aux complots, aux fake news, aux attaques contre les vrasses de ces dernières semaines. Bref, il y a encore des choses à apprendre et à faire.